Place is cursed. You got nothing to do. What is wrong with you? Justice will be served in this town today. You took three innocent lives, and for that, the law demands that you shall pay. Come on now, boy. Sure do enjoy fine days. Yep. Hey there, partner. Good to see you back. Salut à tous, c'est rare quand je parle. How are you?
Et là, j'ai réussi à capturer mon cheveu blanc, comme j'ai dit, le pur sang. Donc, je l'ai recapturé. Et je le répète, en fait, vite fait, c'est rare quand je parle, donc profitez-en. Le pur sang arabe, j'ai réussi un pur sang arabe rouge. J'ai toujours gardé mon premier cheval. J'ai un autre cheval. J'ai un ami qui est sur le jeu depuis 6 mois et qui m'a gentiment trouvé des lingots d'or. Voilà, donc c'est gentil, j'ai 8 200 $. Je n'ai pas vraiment avancé dans l'histoire, j'ai fait des progressions. Il y en a que je trouve un peu chiante, mais terminé avec une précision d'au moins 80%, je l'ai fait pourtant, 5 balles à la tête, mais je recommence. Celui-là, c'est pas dur non plus. Celui-là, il est un peu chiant. Là, ça, j'ai presque tout fait en or, sauf là, parce que je sais pas jouer au poker, donc il va falloir que j'apprenne. L'usure des pêchés, ça c'est pas trop dur. Donc. Là pour l'instant je profite du jeu, j'ai fait de la chasse, j'aime pas trop la chasse. Et là j'essaie de faire quelques petits défis, il y en a un que j'ai du mal à faire parce qu'il faut trouver des lapins. Là c'est, où là. C'est très dur à trouver en parfait état. Parce que bon, les seuls meilleurs lapins, ce sont ceux qui ont 3 étoiles, donc vous avez vous tiré, ça restera toujours en parfait état. À 2 étoiles, ça va aussi, mais ils font tomber sur les lapins. À chaque fois qu'on tombe dessus, c'est pas facile. On les déniche au dernier moment. Ah oui, j'ai réussi ça aussi, il faut que je tue maintenant des oiseaux. En vol, à partir du train. Ah oui, au couteau, d'accord, oui, okay. Ça sera pas compliqué. Et ça, bien sûr, le poker, c'est pas mon truc du tout. L'herboriste non plus, hein, parce que je suis pas botaniste. J'aime les plantes, mais bon, voilà. Donc voilà, je voulais parler juste maintenant. Hein. Ça, c'est mon pur sang arabe rouge. Je vais montrer mon pur sang arabe jaune, blanc. Il y a un cheval rare que j'ai attrapé. Après, je vais faire le défi Valentine Rodeuf. Alors, je l'ai appelé Gripoil parce que c'est le nom de cheval que donne Gandalf à son cheval dans les deux tours. On va dire le film 5. Seabiscuit. Alors, Seabiscuit, comme je vous ai dit, profitez-en. Seabiscuit, c'est le nom d'un chevaux de légende. Le pur sang Seabiscuit, qui était petit, mais qui s'est fait connaître dans les années 30, je crois, entre 30 et 40. Ouais, les années 30. Vous regardez le film si vous voulez, c'est pur sang, la légende de Seabiscuit, avec l'acteur qui joue Spider-Man, Tobey Maguire. Et ça, c'est le cheval rare, comme un peu standard, mais très joli. Voilà. Donc je tenais à dire, voilà pour l'instant, alors Red Dead Redemption 2, j'adore. Je trouve qu'il y a des défis qui ne servent à rien, qui sont plutôt, comment dire, à la longue, ça saoule, en fait. On peut les faire, mais ça saoule. Le fait de tuer les animaux, ça me dérange, parce que je ne suis pas, j'aime pas la chasse. Donc je le fais juste pour les défis, mais après j'arrêterai. Je peux trop trouver maintenant, bon, dans l'époque, je veux bien, c'est dans le contexte de l'époque, je comprends. Mais ils auraient pu faire quelque chose de, voilà, tuer quelques animaux, puis c'était bon, quoi. Ou les attraper, élever les, mais bon, c'était pas la bonne époque. Mais bref, passons ça. Après l'histoire des chaussées d'air. Après, les revolvers, les fous, tous ces trucs-là, bon, j'aime bien, mais bon. Oula, il va falloir que j'aille faire le plein. Bon, voilà. Maintenant, il faut que je teste le défi. Bon, je vous laisse. Je vous laisse profiter parce que je ne sais pas comment je vous ai dit. Voilà.
Beat this weather. It's simply heavenly.
Yep. Yep. Thank you.
Easy now. Yep. Yep. I don't believe it. I got bitten again. It's real deep. Suck it out of me, please. Can't believe I'm doing this. Hold still. Never again. I owe you so much, mister. Can't believe you saved my life twice. Me neither. Well, I best be getting back to town. Gonna eat a stiff one tonight. That's it. You ain't getting another out. Thank you.
Let's go, boy. Giddy up. Okay, fella.
Hey, boy. Yep. Okay, there. Yeah.
gone. Let's get. Just give me a minute, boy. Travel a lot if you've made it all the way over here. Now grab some items for your camp. Coffee, hunting supplies, biscuits, canned items. All along the perimeter of the shop. It's got everything you need.
Good then. Sure. Fine item. As much as you like, then. All right. Real easy to travel with. Some feller came by earlier babbling that he'd found the remains of a giant north of here. Not sure what he was going on about, crazy old fool. Would you like anything else? Thanks, partner. It's you! Oh my goodness, hey, I can't believe it! And what you expect? Yeah.
Yep. Thank you.
mister. Look out! Hey, partner! What the hell? Hi there, ma'am! Hey there! Hey, mister! Hi there, mister! I need help here. Hey there, mister. Hey there. Hey, partner. Morning, friend. Hello there. Welcome to Horner & Co. Shelves are all labeled up top. You don't see something, just check the catalog. Lot more in there than what you see on the shelves. You got it. Good, good. Okay. Got what I need. How goes, partner? Hey, mister. Hey there! Hey there! You got shit for brains or something? Hey, partner. How are you? Hello, mister. Last time you fed your nag. Afraid I ain't got any spare stalls for you. Anything to keep the horses happy, right? Something fierce about it. Hey. Need a bite from that horse. Hey there. Welcome back.
here? You itching for trouble or what? What the hell are you? Hey, mister. Hi there, mister. Hey there. Okay there, boy. Yeah.
Settle down, boy. Hello. How's that horse doing? Sorry. We're all full up at this moment. Enjoy. Safe travel. Remember to rest that horse sometimes. Idiot. He comes to pass through the eye of a camel, and no mistake. I want to talk to you today about the great miracle of holy passion. Yes, passion. Passion is what drives us all. It is what drives me. Move on out of here. It drives me.
great news. The great news that you are saved today. If only you will follow me and do as I say. So we can spend eternity. Thank you.
Easy.